Bon, alors comment générer de la merde? C'est très simple, il faut trois pauvres composants. Donc le fil noir est un fil d'antenne d'environ 1 mètre qui se termine par un brasta n'importe comment là. Donc si je mets la sonde de l'oscilloscope en l'air, je chope quasiment pas de parasites. C'est vraiment pas top, mais ça va. Un signal parfait évidemment si je me mets sur le test. Et alors en revanche, si je viens essayer de sonder ici, sur le bout de mon fil, le parasitage augmente considérablement. Donc là on voit bien qu'il y a deux traces et non pas une, tellement il y a de parasites. Si je vais me repiquer encore un peu plus loin sur mon fil, c'est encore pire. Et puis alors, si je viens y toucher, alors là. Simple fait de mettre le doigt dessus, c'est encore pire. Là, c'est n'importe quoi. Mais je peux encore faire plus crade, je peux rajouter un peu de ferraille dessus. Et là, j'ai carrément deux signaux presque en opposition. Qui viennent foutre la merde. Voilà comment on peut brouiller un signal et s'amuser à injecter de la merde sur un signal sonore, par exemple. C'est tout bête. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure.